bien bonjour à tous, hein, les amis, c'est votre Jumper, j'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, moi ça me tout nickel, comme d'habitude, les amis, et le neighbor de Beta, ça y est, on y est. Oh là là, j'arrive pas à croire que les amis, on se retrouve sur ce jeu. Oh, après tant d'attentes. Depuis l'alpha numéro 1 de Hello Neighbor 2, ça y est, les amis, on a enfin écouté la suite de Hello Neighbor 2. Vous l'attendiez, je vous ai entendu sur les commentaires de toutes les vidéos de la chaîne. J'avais tellement hâte, les amis, vous imaginez pas à quel point d'essayer cette bêta de Hello Neighbor 2. Donc j'imagine rien à voir, je sais pas si vous vous souvenez bien sûr, avec l'alpha hein, de Hello Neighbor 2, avec le fameux Corbac, le corbeau, hein, bien sûr, qui était dans la maison, qui était infiltré dans la maison. D'ailleurs, on avait vu justement le fameux voisin à la fin de cet alpha. Et bien, les amis, on est parti. Après toutes les vidéos qu'on a fait sur les neighbors, on était obligé d'y aller. On était obligé, c'est parti. Allez. Alors, je ne sais absolument rien de cette bêta, hein, de ce Hello Neighbor 2. Je me suis pas spoil. Ah, bien sûr, je fais en sorte de regarder aucun de vos commentaires, aucune des vidéos et images qui pouvaient être réelles sur l'internet. Pas rien me spoil. Oh! C'est nous? J'ai l'impression que c'est nous. Oula! Bah tiens, on m'a dit, il y a le voisin vachement jeune là. Peut-être le fils du voisin. Parce qu'il a un peu le même menton et le même nez et la même moustache. Bon, allez, hop, moi, je m'infiltre. Bon, après tout, je suis un détective. Oula! Bah. Eh, on va mettre presse, c'était la fourche, hein. Je veux dire, reporter. Voilà. Ok. Bon. Alors, oui, donc c'était bien moi. Oh, on a une montre. On a déjà un pansement au doigt, c'est pas bon ça. Ça veut dire qu'on se blesse non-stop. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a là? On a une espèce de tableau. Oh non, pas lui. Oh non. Je vous rappelle que c'était un peu l'antagoniste. Antagoniste de l'alpha d'Hello Neighbor 2. Cet épouvantail m'a l'air trop vivant, tu vois. Ok, alors donc, on a le corbeau, qui est un petit peu le méchant voisin, entre guillemets. D'accord, qui essaiera d'attraper... Oh, les épouvantails, on peut le prendre en photo. Ouais, donc c'est ça, en fait. Je pense que notre but, c'est de prouver qu'il y a un corbeau vivant qui se balade. Enfin, énorme, plutôt, de 2 mètres. Qui se balade dans les champs. Très bien. Oh, c'est vrai, c'est tellement beau, en vrai. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons là? Ok. Nous avons une porte, mais elle est verrouillée par un cadenas jaune. Très bien. Oh, la fameuse clé. Bon, ça va, il l'a mis à côté. On a un petit balai... Ok, un abus 2000 et une pelle 2000. Très bien. Ok, attendez, je vais voir si j'ai rien oublié. Donc on est d'accord que mes affaires, voilà, sont coincées là-haut. Donc j'imagine qu'il va falloir d'abord récupérer l'appareil photo. Ok, donc on est parti. Ok, c'est pas comme si j'avais fini le neighbor, donc ça va. J'ai un peu les bases. Ok. Voilà, alors. Quelqu'un qui s'est fait un petit appartement ici, ou ça se passe comment? Ok. Attends. Oh. Ah oui. On n'est plus aussi rapide. Oh. Ok, il est dans les airs. C'est une bêta. Ah non, il est accroché. D'accord. Très bien. Petit appareil photo. Impeccable. Des pellicules. Rien à récupérer ici. Rien du tout. On peut pas s'échapper par là. Oh, le clair de lune. Très bien. Ah. C'est bon. Alors, je me souvenais que quand tu tombais, tu pouvais perdre des objets que tu avais dans ton inventaire. Faire des photos. Je peux balancer ça, je crois. Ouais. Oula, reviens. On en aura besoin. Alors. Est-ce que je peux prendre en photo ça? Oh, il a attaqué. Il a attaqué l'épouvantail. J'ai une preuve. Le corbeau. Il a quand même la même tenue du voisin, hein, quasiment. Ça qui est ouf. Hein, hein. Oula. Oh, il est là. Ouh. Fermez la porte. Je monte, ça y est, ça commence. Les poursuites commencent. Non. Il est en dessous, hein. Attendez, je vais voir si je peux le griller de là-bas. Allez, lève ça. Ah, c'est bon. Il a pas l'air d'être là. Ok. Ok, c'est bon. Très bien. Il a pas l'air d'être là, ok. Donc on était vraiment arrivé dans sa grange. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, mais il fait quoi? Il bouge pas.
Ouah, ah, c'est un cauchemar. Vite, reprends le volant. C'est pas la voiture du voisin qu'on avait croisé? Bon, c'est rien. Ouais, c'est ça, il travaille pour la presse. Ok. Un investigateur. Oh, Warren Crobbs. Très bien. Alors, est-ce que c'est ici que je dois aller? J'en ai bien l'impression. Allez, on y va. Oula, c'est quoi son camion, là? Il n'y avait plus de porte. Les arbres, quand on les coupe, ça se ramasse, hein. Je dis ça... Oh, Caron, Warren Crobbs. Oh, les enfants disparus. Ah. Ouais, ils ont pas de yeux. Ils font vachement flipper, les flics. Oula, oula, attention, attention. Mais t'es fou, toi, oh, ouais. Mais il y a tellement de nouveaux personnages, c'est incroyable. Ça, on bosse pour la télé. Wow, il est énorme, le manoir à droite, là. Ok, un espèce de truc de bretzel. Allez, je vais me garer là. Voilà, hop, petite marche arrière. Voilà. Allez, hop, ici, on est bien. Bon. Elle est où, ma voiture? Je suis la voiture. Ah, ok. Bonjour, d'accord. Comment il m'a attaqué, là? Ok, très bien. Ok, ok. Ouh, une radio. J'ai l'impression que... Mais on la connaît, cette maison? Alors, je sais pas si ça se passe avant ou après, tu sais. Ah ouais, c'est ça, on la connaît, cette maison. Ok. J'ai un petit i, mais cette montre n'affiche que des i. Remboursé. Oh, c'est des indices, je pense. Est-ce que je peux accéder à mon inventaire? Ah, oh, c'est mon sac et tout. Excellent. Tu peux trouver les objets et tout que t'as mis dedans. Excellent, ça. Bien foutu, ça. Alors. Cette ombre m'a fait peur. C'est une ombre de Doritos. Alors. Oula. Non, j'ai raté la marche. Qu'est-ce que... Mais comment il m'a trouvé? Ok. J'allais terminer tout. Bon, alors vous savez quoi? Déjà, on va voir. Donc ça, ça s'ouvre pas. On peut pas fouiller les casiers. Est-ce que je peux vraiment pas écouter cette radio? Non, y a rien à faire. Ah, le plan. Oh. Donc ouais, c'est ça. Ça met un rapport avec la maison là-bas, donc... La maison du voisin. J'ai plus mon appareil photo, on est d'accord. On se casse. J'aimerais bien aller voir si... qui est là-dedans. Mais comment ça? Mais d'où tu m'as vu? En fait, il fait des apparitions comme ça, mais c'est horrible. Ah, d'accord, c'est peut-être pour nous. D'accord, c'est pour... ok, j'ai compris. En fait, c'est pour délimiter la carte. Ok, oui, je vous rappelle que c'est quand même bêta, les amis. Donc pour l'instant, on ne peut pas accéder à cette partie-là. D'accord, d'accord. Ok, ok. Tranquille. Ah d'accord, donc là j'ai même pas le droit d'aller manger un bretzel. D'accord, donc on va aller voir les flics. Direct. Allez, c'est parti, on n'explore pas. Moi j'aime bien tout regarder en général. Pour trouver des indices. Non, je sais pas ce qu'il a fait ce poteau, mais quelqu'un l'a complètement explosé. Ah bonjour, je suis l'inspecteur, Davis. Ils sont à deux notes, c'est la place du levier de vitesse. Bon allez. Après tout, nous sommes là pour trouver des preuves. Est-ce que j'ai le droit de discuter avec vous ou pas? Bonjour monsieur l'agent. Non. Ah non, 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 la police ce n'est pas de ce point de vue. Ok, elle m'a éjecté à l'extérieur. Attendez les amis, je viens de capter un truc en fait, le flic là. Il a carrément la clé sur lui. Ouah, c'est la clé. Je peux courir? Il m'a lâché, c'est bon. Je suis un poteau. Il m'a pas vu. Je peux reconduire sa voiture? Attendez. Ok, c'est bon, il fait demi-tour. C'est bien. Rentre dans la maison. Voilà, il ferme la porte. Très bien, ok. On va lui voler le donut. On va voir ça. Oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que... J'ai mis la sirène. C'est hyper
risqué. Non. Il a reniflé le donut. Il savait que j'étais là. Ah. Alors. Non. Non, monsieur l'agent. Je connais mes droits. Vous avez pas le droit de traverser le trottoir. Y'a un truc à aller là, ici ou pas? Non, ça, non, ça. C'est ouvert? C'est carrément ouvert. C'est juste que ça prend méga de temps. Oh, je suis passé! Oh! Ok, heureusement, il n'y avait pas besoin de. De pied de biche! Ok, oh, je l'ai volé son donut! Ok, alors. Ah! L'horloge est un peu HS. Il y a un costume. Ouais, donc c'est bien ça, c'est quelqu'un qui se déguise en corbeau. Oh, le pied de biche! Je peux voir s'il y a le donut? Ah ouais, trop bien! Trop bien ça, c'est tellement stylé que vous avez fait ça. J'ai ouvert la porte, je me casse. Allez, 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 allez! C'est bon, donc c'était juste pour le pied de biche? Regardez quand même. J'aime pas du tout le bruit que ça fait dans l'escalier. Ouais non, c'est bon, il a pas ouvert la porte. Ok, y'a rien d'autre. Très bien. Alors, ici. Oh, c'est la tombe que j'ai vue tout à l'heure. Donc, il y avait bien. Il y a une peluche. Qu'est-ce que. Il y avait une affiche. Une feuille. Une affiche sur l'arbre. Ouais, j'ai bugué en fait parce que. Quoi? Mais on se retrouve où là? Ah, on est retourné dans notre quartier général. Le QG. Du reporter. Underground. Ok. Mais maintenant que j'ai ça. Le pied de biche, ça je peux l'ouvrir? Mais oui! Allez! Stylé! Allez! Allez! Voilà, c'est bon! Il me fallait un pied de biche pour ouvrir mon truc. Ah. Ok. C'est quoi ça? Un Pip-Boy? Ah non, c'est pour placer les caméras! Ok. D'accord. Non, c'est rien, c'est rien. C'est rien du tout. C'est juste pour les placer, je pense. Alors, peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir montrer aux gens, tu sais, les preuves qu'il y a bien une personne déguisée en corbeau! Rien du tout ici, ok. Très bien. Bon, on va retourner au. Poste d'écoute. Le flic est toujours là-bas. Ouais, ouais. Je vous rappelle, il faut éviter. Ah oui, est-ce qu'on peut grimper là-haut ou pas? Ouf, oui, on peut. Oh, stylé! C'est énorme cette partie de la ville. Hein. Elle est pétée? Ouais, elle est cassée. Ok. Très bien. Alors, je vais voir si je ne peux pas poser. Waouh, la maison là-bas. Oh, c'est énorme! C'est le cirque! Enfin, c'est le petit parc d'attraction où Sune qu'on avait. Bon, allez, vous savez quoi? On va aller faire une petite sieste là parce que là, ça va peut-être m'aider à réfléchir. Ah! Allez hop! On dort tout habillé. Sans problème, pas de pyjama, rien! Ok. Je dors 48 heures ou ça se passe comment? Ah, bah écoute, c'est. Ah. 8h03, nickel. J'ai bien dormi. Quelqu'un veut quelque chose? Des croissants? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un cycle jour-nuit, c'est tellement stylé. Ok. Alors, toujours mes affaires avec moi? Toujours, impeccable. Oula. Oh, le voisin! Ha ha ha! T'en voilà toi! Ok! Alors est-ce que. Attendez, on va aller au poste de contrôle, je pense que ça veut dire ça. Ouais, c'est ça, ça met à jour en fait notre mission. Ah, oh, c'est trop bien! Non mais c'est énorme en fait! Avant, tu sais, c'était vraiment. On avait un chapitre par maison, maintenant on a toute une ville. On est vraiment le. Le détective reporter quoi! Hein, à la recherche des personnes disparues. Oh, mais ces personnes là, mais attends, on les connaît! Ok, donc disparu. Donc il y a. Une personne, il y en a un enfant qui a disparu dans la grande maison du voisin. Et deux autres, donc une ici et une là. On aurait déjà validé justement, d'accord. Ok, bon bah écoute, let's go le manoir alors. Oh là là, sa maison, mais regardez ça. Oh là 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 là. Ok. Je croyais que je pouvais plus avancer, mais c'était la rambarde de sécurité. Ah. Bonjour. C'est les prospectus. C'est le livreur de pizza! Y'a même pas de sonnette! Comment tu lui déposes un colis?
La maison toujours aussi grande. Ok. J'ai hâte de voir par où on peut rentrer, tu vois. On va peut-être grimper par là. Hop. Voilà. Parfait. Allez, on escalade. Impeccable. J'espère que c'est ouvert. J'entends quelqu'un. Y'a quelqu'un qui pleure. Ok, donc j'ai bien les infos. Je pense que la personne est retenue prisonnière ici. Très bien. On peut continuer de grimper. Je sais pas si c'est normal ce que je fais, mais moi je le fais. J'ai été entraîné par Peter Parker, je vous le dis. Ok. Doucement. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on puisse monter plus haut. Quoique. Ah non, c'est pas possible. Ok, bon, alors on va essayer l'autre part. Là c'est pété. Bon, on va faire le tour par derrière là. Donc là la porte est verrouillée de l'intérieur. Petite porte de garage là. Ok, je vois son bolide. Tout est fermé, mais c'est incroyable. En vrai, je pourrais jeter mon pied de biche, hein, je sais, mais... Oh, c'est ouvert. Ouais, je sais, je sais. J'entends quelqu'un. Ok, attends, je vais... Je peux... Ça me dit que je peux pas, ok. Ouais, bah pour moi, je vais tenter, hein. Ouais, je vais péter la vitre. Je vais balancer le pied de biche, les gens. Mais il faut absolument que je le ramasse. Ouais, je sais, je suis au courant. Quoi? Non, non, non. Le pied de la fenêtre était ouverte. Non. Non. J'ai balancé le pied de biche. Oh non. Oh non. Dites-moi que je peux accéder à... Bon, on va essayer de grimper, hein. C'était bien comme idée, non? Ok. Oh non, mais sérieusement. Pourquoi vous m'en avez pas empêché? Hein? Pourquoi? Bon, alors écoutez, les amis, on va aller voir ailleurs quand même, parce que là, j'ai essayé de grimper partout, y'a pas moyen. Ok, encore des infos. Ah, mais c'est ouvert du coup là, cette fois-ci, c'est cool. Bonjour! Je voudrais. Bah, un croissant, hein. Il reste plus que ça. Non? Bon, d'accord. Oh, il a une clé en forme de bretzel. Je peux vous la prendre? Ah, non, oh non, moi ah, laissez-moi la gorge. Merci. Oui, oui, en même temps, c'est un peu normal, hein. Si tu passes chez le boulanger, tu passes par-dessus le comptoir, oui. Il y a de fortes chances qu'il te balance, lui aussi, mais dans l'escalier. Alors, je vais m'installer, hein. Madame le boulanger. Ah, quoi, elle a pas aimé? Ah non, c'est pas possible, ça, c'est peut-être une erreur. Je vais me cacher. Mais toute cette ville est dingue. Au pire, ferme la porte. Elle est plus là, hein. Ok. Alors ce qui est bien, c'est que la porte extérieure est ouverte. Ok. Je crois qu'elle a lâché l'affaire. C'est quoi ça? Bonjour. Elle était sur la porte derrière. Oh, y'a un bouquin. J'aurais bien voulu. Ah, dommage. C'est bon. C'est quoi ce bouquin? Oh, ça c'est énorme, c'est pour. C'est pour ouvrir les portes. Enfin, enlever les cadenas. Le croissant! La recette ultime! Ah! Tiens, attendez, j'ai rien à essayer de récupérer sa clé. Pendant qu'elle est occupée dans l'arrière. L'arrière boutique. Non, vous êtes occupé. Elle est vraiment vénère, hein. J'y vais. Oh. Faut une pince. C'est rien du tout, c'est parce qu'on croyait. J'ai plus rien. Non, non, je suis sur la terrasse. Oh, oh, oh. Elle a pris le truc que... Oh, ils peuvent ramasser les objets maintenant. Incroyable. Ils peuvent ramasser les objets. Je suis hâte de voir si elle va le redéposer. Elle va le redéposer. Oh, c'est ouf, ça.
Il le faisait pas du tout. T'imagines, tu trouves une clé, il la déplace. Bon, attendez, vous savez quoi, les amis, on va réessayer quand même avec le cadenas parce que ça me paraît ouf, hein. Parce que bon, c'est quand même la même couleur et tout, donc C'est ça. Oh, c'était ça. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, très bien. Alors, attendez. Donc, j'ai perdu le truc pour crocheter les cadenas. Très bien. Par contre, on en parle. C'est quoi la taille de cette clé? Mais elle est énorme. Alors, attendez, on va retourner quand même au QG. Voir un petit peu s'ils nous ont pas ajouté des nouvelles missions. Dans le doute. Allez, merci. Alors, oula. Faut établir le plan là, non? Ok. Faut peut-être dormir, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Cela, je sais pas quelle heure il est, mais 14h. Est-ce qu'on peut dormir genre jusqu'au lendemain matin? Allez! Hop! On aplatit tout ça et. Oh, bonne nuit, hein. Voilà, un petit zoom pour la fin. 21h. Ah oui, d'accord, en fait là tu te lèves la nuit. Je préfère le matin, moi! La nuit, le corbeau, tout ça, tu sais, c'est moyen, tu vois. Ok, donc c'est énorme, tu peux choisir soit d'agir la nuit ou également. Bah, de jour. C'est beaucoup trop bien. Ok, 8h. Nickel. Allez! C'est reparti! Il nous faut des preuves. Preuves de ces kidnappings là. Est-ce que ça change un truc ou pas? Oui, voilà, c'est bon. Ok, excellent. Excellent! Ce plan et tout! Alors, donc là, on avait la boulangère hein, qui avait la canna du. La clé bretzel. Oh, c'est quoi ça? Wayland Groups. Attends, mais c'est pas la personne. Mais si, c'est ça! C'est la personne qu'on a vue en voiture. Ok. On va aller jeter un œil après. Oh, c'est énorme, il y a plein d'infos. En mode, regardez le cadenas, de la trappe et tout. Ok. Je vais aller voir un petit peu, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Très bien, sauf mon pied piche. Ok. D'ailleurs, ma voiture a disparu, on me l'a volée pendant la nuit. Après avoir retrouvé les enfants disparus, on va s'inquiéter un petit peu sur les poteaux qui volent. Alors, donc. Oh, c'est tellement beau! Attends, mais c'est la maison du maire ou quoi? Incroyable. Franchement. Allez! Qu'est-ce que. C'est un chat? C'est un chat! Non, Vina! Vina, toutou! Oh, il y a des animaux maintenant, mais c'est incroyable! C'est tellement bien pensé. En même temps, chien de garde, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais pensé aussi. La clé dorée qu'il a dans les mains. Je crois qu'il me cherche. Hein. La maison du voisin qui est en plein travaux. Par où on peut entrer là? Alors je vais éviter de balancer encore un objet pour le perdre. Chut, je fais pas de bruit. Oh! Allez! C'est le maire! J'ai l'impression que c'est le maire. Ou alors c'est un autre antagoniste. Hein. Je m'en vais. Je ne fais que... Non. Non. Ah non. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah il m'a acheté. Oh, il a même une serre et tout. Alors il n'y a pas à dire, la discrétion c'est génial. Mais quand tu fonces, ils te suivent plus du tout. Hein. Ok. Je sais pas ce que c'est. On va courir. J'ai peur que courir fasse énormément de bruit. Mais vraiment les portes c'est horrible. Les portes alertent les personnes. Oh la maison de dingue. J'ouvre tout en fait, c'est volontaire les amis. C'est pour pouvoir après. J'ai encore le temps. Oui. Pour pouvoir après rentrer dans les pièces. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ceci, les bruits de porte alertent les propriétaires. Il était en train de réfléchir au sens de la vie. Ok. Qu'est-ce que c'est? Il y a des objets que je peux pas prendre, c'est bien dommage. Là, c'est mort. Ok. Je saute. Wouah! Paye ta salle à manger, mec! Ok, je sais pas où il est, je sais pas s'il est à l'étage. On va pas se perdre au moins avec les tiroirs, ça c'est bien parce qu'il y avait beaucoup trop de tiroirs dans le premier Hello Neighbor. Je sais pas où il est, je crois qu'il est à l'étage.
Ouais, il doit... Je crois que je suis pas allé dans la pièce là. On va aller jeter un œil. C'est quoi ça? Ah, c'est... Mais c'est le disque que je dois mettre, je suis sûr. Bah oui, c'est sûr. C'est le disque que j'ai vu tout en haut. Que je ne pouvais pas prendre d'ailleurs. Il va arriver. Il me cherche. Ça fait beaucoup de bruit ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit ouvrir des portes en boucle. J'avais pas vu ce tableau, il est incroyable. J'aimerais bien prendre ça. Je pense que, à mon avis, le problème, c'est la place. Voilà pourquoi. Je viens d'y penser. Ouh, il m'a pas vu. Ok, on va mettre ça là-dedans. On va le remettre à sa place, lui. Hein. En fait, je suis là pour ranger ces trucs. Hein. Ah, c'est bon. D'accord. Ça n'a rien fait. Bon, ça, j'en ai plus besoin non plus. Hop. On va se vider les poches. Hein. Wow, la peignoire de luxe, pardon, mec. On va faire couler l'eau. C'est pour la tirer. C'est pour la tirer que je fais ça. Qu'est-ce qu'il disait? Un grand amateur de navire, hein. De voilier. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il est à l'endroit où je veux aller. Enfin, regarde, il fait que ça, en fait. C'est quoi, ici? Oh, la salle des trophées. Ouais, c'est un grand... À mon avis, c'est ça, c'est un navigateur. C'est un champion. J'aurais planqué un truc, moi, là-dessus. Alors, le problème, c'est que j'ai plus le pied de biche, donc j'espère que ça va pas... trop poser problème. Ah, on peut passer. Yes, super. Oh, c'est pour accéder à une pièce que je ne peux pas aller, normalement. Peut-être que si. On va peut-être... Non, attendez, on va aller là. Allez, ouvre cette porte. Ah non, c'est vraiment... Tu peux pas les ouvrir depuis... Tu peux pas les ouvrir depuis... Attends, dès que t'as ouvert une porte, c'est foutu. Enfin, une fenêtre, c'est mort. Ah ouais, c'est mort. Je peux pas l'ouvrir de l'extérieur. Ah, par contre, le problème, c'est qu'attendez, la nuit est en train d'arriver, mais... Non, vilain, le chien, vilain. J'aimerais bien essayer de voir, parce que... Oh, comment il m'a chopé. J'aimerais bien essayer de voir si on peut choper, tu sais, la clé, maintenant que j'ai de la place dans l'inventaire. La clé que la personne a dans l'inventaire. Enfin, dans sa main, je veux dire. Non, c'est bon, il mourra pas, là, le chien. Oh, mais tu peux la prendre. Alors, t'es dégoûté, Napoléon, hein, t'es dégoûté. J'appelle comme ça parce que y a un air là. Oh, je m'en vais. Mais c'est quoi d'ailleurs la taille de cette clé? Ok, bon, j'ai mis le disque, j'ai tout mis, mais il y avait rien à faire. Ok, très bien. Alors. Ah ouais, du coup ça me fait deux clés quoi, excellent. Peut-être un truc qui aurait sur le toit tout en haut là. Hein. Non, vous savez quoi? Je pense que le sommeil va nous faire réfléchir. Allez, hop, on va se coucher. Attends, j'ai cru voir le pied de biche sur. Sur le tableau? Oh, genre les effets perdus, tu sais, les objets perdus, tu les retrouves sur le tableau? Ça serait beaucoup trop bien. Allez, on va voir ça. On va, au moins, comme ça, on arrivera au petit matin. Tranquille! On essaiera d'escalader, tu sais, du côté gauche. Ok, 8h, nickel. Une bonne journée pour les cambrioler, les gens. Oh oui, c'est bon! Oh, trop bien! Oh, c'est beaucoup trop bien! Oh, merci. Je crois que c'est l'emplacement, c'est le 6, hein. Bon. On devrait essayer. J'ai pas été voir la grange là-bas non plus aussi. Bon, on va voir de l'autre côté. Peut-être un moyen de passer par là. Oui, c'est vrai, il y avait ce truc-là, là. Très étrange. Qu'est-ce que c'est? C'est un panneau énorme. Déposé là. Oh, il y a un trou, là. D'accord. Le petit balcon macabre. Alors, c'est mort, je jette plus mon pied de biche, hein. Ça, c'est les réflexes du premier, ça, tu sais, de péter les vitres. On peut pas... Ah bah, on peut passer là, très bien. Ah! Les amis, nous voilà dans la place. Alors là, par contre, on a affaire à The Voisin. Oh! C'est ça, c'est la clé de la ville, oh, trop bien! Qu'il me faut, cette clé-là? En plein dans le mille. Ah ouais, elle est géante, ouais, c'est ça, on appelle ça la clé de la ville, ouais. Oh, on l'a vu, les amis. La nouvelle maison du voisin. Ok, alors là,
D'accord. Donc si on est puni, on est envoyé en haut. Attention, pas mettre d'essence, ok. Non, arrête de sonner. Chut, 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 arrête, arrête. Ça, c'est une des clés que j'aurais par hasard. En plein dans le mille, j'y crois pas. La bretzel, la clé bretzel, c'est la clé pour tout. Qu'est-ce que... Oh, c'est... C'est très étrange. Tête de sanglier. Hein. Je suis accroupi, hein. C'est pas le monde qui est grand, mais je suis accroupi, c'est pour ça. On dirait que tout est grand, tout est démesuré, mais non, non, c'est juste que je suis accroupi. Regardez, si je me laisse, c'est déjà beaucoup mieux. On va le laisser. Oh, regarde la télé! C'est sa voiture. Ça, on aura peut-être besoin de ça. Je sais pas si j'ai besoin des caméras, dans le doute, je vais les poser là. Ça prend deux emplacements quand même, les caméras. Au pire, on la pose. Hein. On va la poser. Yeah! Comme ça, on peut voir s'il dort ou pas. Regardez, genre, si je prends. Si je prends ça. Attention. Yes! Regardez. Trop bien! C'est excellent. Tellement cool de le revoir en vrai. J'ai peur qu'il vienne là. Je regarde s'il y a un interrupteur. Ça a pas l'air. Il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu. Je sais pas si je peux tisser la caméra dans le... Ah, je peux pas. Dans le placard. Je peux pas. Ok. En vrai, c'est le moment jamais. Attends, il a libéré la pièce. C'est bon, c'est ça. Ok, j'ai déposé un truc. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a marché. Ah non, c'est juste j'ai eu la montre qui a clignoté. Ok. Faut pied de biche. Bon, heureusement que j'en l'ai. Allez. C'est hyper long. C'est des... En fait, c'est des portes lourdes. Ah! Non, non, non! Ok, il m'a pas volé mes objets. Non, c'est bon. Ok, ok. Je l'entendais pas. Il a des chaussures discrètes. C'est horrible. Ok, on y retourne. Allez, on y retourne. Très bien. Donc oui, cette porte-là, en fait, là, on peut l'ouvrir. Non, non, non. Je monte sur ton dinosaure, ça te dérange pas? J'ai rien perdu. C'est bon, j'ai rien perdu. Il saute pas, hein. Bah oui, mais non, y'a pas besoin de sauter, il prend l'escalier de droite. C'est horrible. Parce qu'avant, tu les entendais vachement bien, ta vision se troublait, tout ça, et maintenant, ça le fait plus, donc du coup... Ce qui est logique, hein, ce qui est réaliste, hein. Quand quelqu'un te poursuit dans la vraie vie, t'as pas ta vision qui se trouble, hein. Ça fait vraiment du bruit avec la sonnette. Ok, il est là, on va peut-être pas passer par là, ouais. Ok. On peut prendre des pots de peinture peut-être pour lui balancer à la face. Il est là, je l'ai vu. J'entends un enfant. On y va, allez. On casse à distance. Allez. 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 Oh, je suis les deux. Oh, le bruit que ça fait. C'est rien, c'est un bruit de cafard. Ça a sonné, bah oui, bien sûr. Là, je suis mal. Ouf. Ok, bon, de toute façon, j'avais pas le choix. Si je voulais pas... Ah d'accord, ça m'a ramené là, carrément. Si je voulais pas qu'il me chope, j'étais bien obligé de revenir de cette manière-là. De toute façon, ça aurait été pareil, mais voilà, il faudrait l'attirer avec le bruit de la sonnette. Voilà, comme ça, il vient ici. Et moi, je viens de l'autre côté. Bon, les pots de peinture, je pense que c'est bien pour lui. Hein. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, c'est bon. Là, la porte est ouverte. Trop cool. C'est pas le... C'était pas une tête de sanglier qu'il me fallait. C'est la tête d'ours. Ok, c'est bon.
Je sais où elle est. Super. Ça, c'est quoi ça? Extincteur? Yes! Le problème, c'est qu'elle est où la tête? Je crois qu'elle est en bas. Il doit être dans le garage. Mais non, mais il l'a remise là, mais non! Mais non, mais il remet tous les trucs à sa place, c'est horrible! Oh! Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ah, oh, c'est super chaud, hein! Ok. Ah bah ouais, bien sûr. Hop, c'est fait exprès. Tu ne mourras pas. C'est ça. Non mais elle est... C'est horrible! Il est là? J'ai besoin de ça! Salut! Salut! A plus! A plus! Oh là 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 là! En fait, c'est pas... C'est pour toutes les têtes. Ça va être terrible. C'est ridicule. Ça les va bien, là. Voilà, c'est bon. Lui, c'est le bon. Ok, il faut trouver deux têtes. Tête d'ours. Une espèce de tête de... De dauphin, là. Ok. Ok, ok. Alors, je vais ici s'il n'y en a pas d'autres. Ah, il est bien là-haut. Il se balade, d'abord. Il doit y en avoir forcément une dans le salon où il dort, hein. Enfin où il se met. Hein. On peut pas aller là-haut, d'accord. Ça, tu peux pas la retirer, ça? Ok, ok. C'est un musée, son truc. Ok. Oh là 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 là, la pression, les amis, la pression. Oula! C'est quoi ça? Une clé plate. Dis pas que j'ai plus de place. C'est bon, j'ai une place. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je peux bidouiller la chaudière? Je sais pas à quoi ça va servir ça. Peut-être pour les tuyaux. Ok les amis, alors donc je me suis baladé un petit peu au niveau de la ville et je crois avoir trouvé les deux zones où il nous manque les deux têtes. Vous savez, la tête de poiscaille, de poisson, et la tête pas de sanglier, non, la tête de sanglier, ça c'est bon, je l'ai. Ok, il y a le chien. Et la tête d'ours, voilà, c'est ça, la tête d'ours. Alors justement, les amis, vous vous souvenez de la partie du disque? Je vais vous montrer en fait la partie du disque qu'on avait trouvé au niveau de l'étage. Alors je vais voir si ça est toujours en place vu qu'en fait ils enlèvent les trucs maintenant. Wouh! Ok, très bien. Donc, je pense que dans le doute, on va aller voir s'il y a encore le disque. Ok, il l'a bien enlevé. Hop là. Je l'ai, c'est bon. Ok, parce que regardez. En fait, je me suis mis là et j'ai vu que là, il y avait la tête d'ours qui nous manquait justement. Tu m'auras pas, mec, tu m'auras pas! Non, jamais, 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 jamais. C'est pas qu'il va venir là. On est une plante. On est 4 millions de plantes. On est 4 millions de plantes. Oh, ça a marché, les amis. On peut s'applaudir. Ok, et là, en fait, j'ai capté qu'il y avait des affiches. Donc, spill pour dormir. Donc, c'est ce que j'ai dans la main, bien sûr. Slash pour s'amuser. Et nets aussi. Ok, donc là, il faudrait mettre ça. Fermer. Voilà, allez, c'est l'heure d'aller dormir. Dis-moi qui va aller se coucher, qui va aller... Dis-moi qui va aller là-haut, s'il te plaît. M'oblige pas à te mettre un coup de clé à molette. Enfin, de clé plate. Il touche à chaque fois? Ah ouais, non, il veut vraiment s'amuser, hein. J'aimerais bien voir si ça... Ah,
ça l'a fatigué un peu quand même, hein, vous avez vu? Il est crevé. Ok. Il est parti là-haut? Oh oui, je vais aller se coucher. Oh yes! Pas que la porte se ferme. Chut, pas de bruit, les amis. Il nous a pas vu, il nous a pas vu. C'est bon. Oh, on a la tête! Ça marchait, tiens, tiens! Je hante ta maison, mon gars, et ouais! Ok, ok, tellement bien. Bon, on a la tête. Ça fait vachement haut là quand même. Hein. Par là, ça ira mieux. C'est pas que j'ai perdu la tête. Non, c'est bon, j'ai cru qu'elle était passée à travers le truc. Ok. Bon, on va aller déposer la tête chez le voisin. Je peux sauter là. Ouais, c'est bon. Fou. Voilà. Ok, et ensuite, il faut retourner en ville. Incroyable. Incroyable, cette bêta. Bon. Alors. Il fait ultra sombre. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. On connaît la maison du voisin par cœur, les amis. Ok. Allez, on y va. Je vois que dalle. C'est bon. Je me grouille d'y aller. Je perds pas de temps. Ça va aller, t'inquiète pas. Ok, donc ça c'est bon, c'est au bon endroit. Ensuite, c'est ça, c'est le poisson. Yes! Yes, yes, yes. Il nous reste. Non, t'as rien vu, t'as rien vu. Arrête, arrête. Je chipote pas. Ça va faire du bruit. Ah, c'est tellement une bonne idée et une mauvaise histoire de porte. C'est bon. Ok, et là maintenant, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dormir. Parce que pour la prochaine étape, j'aimerais qu'il fasse jour. Tu vois. Qu'on soit pas au clair de lune. Ok, on va aller se coucher. Hop là, let's go. Et ensuite on va se diriger, vous savez, vers l'autre maison où on avait justement un autre indice. Ok. Alors je sais pas du tout hein, ce qui va se passer là-bas hein. C'est pas du... J'ai pas de spoil ou quoi, tu vois, j'ai juste des infos. Ok, alors, ça me dit d'aller vers la maison là-bas. Alors j'ai quoi sur moi? Ok, j'ai 4 trucs. J'ai toujours mon écran pour la caméra. J'ai vu la boulangère, elle est là-bas. On va ranger quand même le pied. Le pied de biche. Alors où est-ce que ça pourrait être? La cavade? La maison bleue? La maison blanche? Oh, sympa la petite maison là. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? En fait tous les gens ici te détestent hein. Est-ce que des méchants voisins? Ah oui, voilà, interdit aux visiteurs, quoi. Carrément. Oh! C'est quoi ça? C'est quoi ce bout de papier? C'est une notice de Kinder surprise ou quoi? Sérieusement? Ok. Je comprends pas trop le délire de cette maison. J'arrive même pas à lire ce qu'il y a sur le papier, les gens. Ok, il va dehors. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Il vient de cet endroit-là. Ok, j'ai fait méga de bruit. Oh, c'est un ours, c'est la tête d'ours! Ah bah on l'a déjà. C'est quoi le délire? Ok. Oh, on s'en fout, c'est du papier, on peut rien faire. On peut poser un truc là-dessus. C'est quoi ce délire? Ok, j'ai des infos. Bon, ça c'est des indices hein. Ok. Je crois qu'il est revenu. C'est quoi ça? J'ai plus la place. Il m'aura pas, il m'aura pas. Mec, tu m'auras pas, je suis enfermé. Alors je vois, il y a une espèce...
Il y a une espèce d'établi, je vois, avec une bûche. Okay. Ah, mais l'établi, c'est pas le truc avec le papier. T'es pas sérieux, il a un flingue. Il a un lance-patate. Ah, ce serait pas lui qui a fabriqué le balance, le fusil caoutchouc, là. Attendez, je peux prendre la bûche, là? Faut une bûche, je pense. Il manque un truc. Ça, je vois qu'il y a ma clé, mais ça, on s'en fout. Mais pourquoi je peux pas prendre ça? Wouah! Ouf! Oh la vache, il te tire dessus, il te ralentit. Oh bah tiens, moi aussi, je te ralentis, mec. Allez, à plus, en plus! Attendez, je vais essayer quand même de le placer là-dessus. Oh, ça a marché! Ok, alors. Je vais dire, je vais peut-être être visible. On va passer là. Parce que là, avec la lumière du truc, il m'a vu tout à l'heure. Ok. Il va faire quoi? Il va me fabriquer un poisson géant ou... Ok, alors pour l'instant, il me cherche. C'est ça, il me cherche. Est-ce que je peux voir mes caméras, moi, pour l'instant? Ah, je peux, hein. Il me cherche. C'est bon, il se calme. Chut, plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit. Non, je vais rester sur la table. Je crois qu'il arrive. Il va me fabriquer un canon. Waouh, c'était ça en plus, on dirait. J'avais les mains moites. En fait, je voulais zoomer, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait avec ce bois là? Mais qu'est-ce qu'il va fabriquer là en fait? Oh, il a regardé, il a placé la tête de poisson sur la cible. Non, c'est à moi. Salut, à plus. En fait, c'était pour s'entraîner. Eh, moi, t'es dégoûté, mon gars. Allez, à plus, Stanley. Allez, on y va. Oh là 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 là, les gens tellement pression. C'est mon poisson. Eh ben, il y a une sacrée tête quand même. Petite citrouille là. Bon, allez. On va aller déposer ça et je vais te sauver, l'ami. Allez, on y va. Oh là là, c'était tellement chaud. J'en reviens pas pour le coup de l'écran de caméra que j'ai fait tomber, tu sais. Je l'ai totalement paumé, le truc. Ok, il est toujours dans la cuisine. Très bien. Ils sont tous fous ici, hein. On dirait une canne à pêche. Tu sais quoi, je vais en profiter, il est pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Trappe. C'est quoi ça? C'est par rapport à ça? Oh c'est... Je me suis pris sur la face. Oh j'arrive. J'arrive. C'était un piège. Oh, to be continue. Oh, incroyable. La belle prank. La belle trappe de la part du voisin. Il avait mis une espèce de cassette qui tournait en boucle avec un bruit de quelqu'un qui pleure. Comme si tu sentais que quelqu'un avait besoin de toi, tu vois, qu'il avait besoin d'aide. Parce qu'il savait qu'il y avait des détectives dans le coin. Et il a mis une espèce de fausse, un faux rideau, tu sais, pour avoir une fausse ombre. Ça rend une espèce d'ombre d'enfant. Oh là là. La suite très bientôt. Ah là là! Et ben voilà! Les amis! Incroyable! Oh, cette bêta d'Hello Neighbor 2! Pff, rien à voir en plus avec l'alpha. Hein. Ça qui est cool, c'est qu'on est encore sur un autre chapitre de Hello Neighbor 2. On peut clairement dire ça parce que c'est clairement un autre chapitre. Et ben voilà! Les amis, bah écoutez! J'espère que cette bêta d'Hello Neighbor 2, que dis-je? Mais c'est obligé qu'elle vous a plu. Mais oh, mais bah obligé! Elle est incroyable. Alors je vous rappelle quand même les amis que c'était une bêta, hein, c'est quand même indulgent, hein, bien sûr ce n'est pas la version finale du jeu, mais elle a été tellement demandée que j'étais bien sûr obligé les amis de la tester, hein, bien sûr je voulais peut-être attendre même la suite, enfin la fin, la finale version, tu vois, la final version, mais au final je me suis dit que je ne pouvais pas attendre la sortie officielle. Et ben voilà, et ben les amis, merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à bombarder
7 barres de like. Oh, largement mérité ce Alien Number 2, hein, franchement incroyable, cette bêta quoi. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à laisser vous aussi un avis, comme le, regardez, le dirait le voisin là. Mais dans les commentaires de cette vidéo, dans la section commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des histoires, des théories peut-être. En tout cas, j'ai hâte de les lire. En tout cas, un grand merci les amis, n'oubliez pas de partager la vidéo, la chaîne, et de vous abonner à la chaîne. Et j'ai très hâte de vous retrouver pour la version finale de Hello Neighbor 2, les amis.